ces visages humains qui apparaissent un peu partout. Avez-vous remarqué que des formes de visages humains ont tendance à apparaître là où on s'y attend le moins? Est-ce que la forme stylisée de ces faces humaines, deux points pour les yeux et deux traits perpendiculaires pour la bouche et le nez, ou le contour simpliste de profil front nez bouche menton qui, ainsi, rendent facile la visualisation d'un visage à partir de différents motifs censés représenter une répartition de taches chaotiques ou bien de quelques ondulations naturelles? Les superstitions et croyances en France et dans le monde. Comme tout le monde, les Français entretiennent des superstitions, c'est-à-dire des croyances, sérieuses ou moins sérieuses, fondées sur la signification positive ou négative de certaines actions, de certaines situations. Selon la définition commune, une personne superstitieuse est une personne qui voit des signes favorables ou néfastes dans certains faits. Blanc ou noir, bien ou mal, bon ou mauvais, de nombreux petits faits peuvent porter bonheur ou porter malheur. Le chiffre de la mort, les numéros portent bonheur et malchanceux au Japon. Bonjour à tous. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet un peu particulier sur notre blog puisque je vais vous parler du chiffre de la mort. Enfin plutôt des chiffres en général, puisqu'on évoque ici tous les chiffres qui portent malheur et bonheur dans le folklore nippon. Tout comme le chiffre 13 chez nous, certains chiffres sont chanceux et malchanceux au Japon. Il est très important de connaître ces chiffres qui font partie culture générale japonaise car il se pourrait bien qu'un jour vous souhaitiez malencontreusement à une personne qu'elle agonise dans d'atroces souffrances, et ce, juste en leur offrant un omiage. La mort, l'agonie et la souffrance. Bon, commençons dans la gaieté avec les chiffres qui portent malheur. Beaucoup d'entre vous le savent sûrement déjà mais le chiffre 4 est un très mauvais car il se prononce chi. La mort. C'est pour cela entre autres que l'on retrouve deux prononciations pour ce chiffre, chi et on. Autant que possible, les gens essayent d'utiliser la deuxième prononciation dans les conversations. Cela a l'air anecdotique mais beaucoup de personnes prennent ces superstitions très à cœur. Récemment encore, il y a eu une grosse polémique au Japon autour de la sortie de la nouvelle PlayStation. PS4, PS chi. La PlayStation de la mort. L'arrêt de mort de Sony dans l'univers du jeu vidéo. Vous voyez. Ces choses peuvent aller très loin dans la croyance. Même si on sait désormais que la PS4 est bien loin d'avoir dit son dernier mot, au contraire. La même chose s'applique avec le chiffre 9, qui se prononce Q souffrir, agonie, torture. Comme pour 4, on retrouve deux prononciations différentes, Q et Q. Certains bâtiments comme les hôpitaux n'ont pas de chambre 4 ou de 9e étage, ou dans de très rares cas. Un autre exemple. Dans le service maternité des hôpitaux il n'y a pas de chambre 43 car ça se prononce chi en mort à la naissance. La superstition touche aussi les plaques d'immatriculation des voitures. Certains chiffres ne sont pas utilisés comme 42, qui se dit chi ni aller à la mort. Moins 49, qui se dit chi coup écrasé. Moins 42-19, qui se dit chi ni coup aller se tuer. Moins 42-56, qui se dit chi ni goro l'heure de mourir. Il est temps de mourir. Moins 24, qui se dit Nishi de mort. Certains membres puissants des Yakuza, mafia japonaise, utilisent leurs plaques d'immatriculation pour exprimer leur mépris en choisissant par exemple des numéros de plaques comme 4444. Comme aux États-Unis, on peut personnaliser ces plaques d'immatriculation au Japon. C'est sans aucun doute le genre de voiture auquel vous ne souhaitez pas faire une queue de poisson sur l'autoroute. Comme beaucoup de pays dans le monde, le Japon considère le chiffre 7 comme portant bonheur. Ce n'est pas une croyance importée mais bel et bien une tradition religieuse du pays. En effet, le chiffre 7 est très important dans le bouddhisme, les Japonais fêtent la naissance d'un bébé et pleurent la mort d'une personne le 7e jour, quand l'âme est prête pour aller dans l'autre monde. On retrouve aussi dans le folklore japonais les Shichifukuin, les 7 dieux de la chance, ou Tanabata, cérémonie de prière pour les enfants se déroulant le 7/7e. Et comment ignorer le chiffre 7 que l'on retrouve à peu près partout dans les casinos du monde entier et dans les machines à sous 7/7/7 bingo. Même s'il est beaucoup moins connu, le chiffre 8 est lui aussi porte-bonheur. C'est en fait dû à la forme de son kanji qui s'élargit vers le bas, rappelant dans l'idée la prospérité et la croissance. On appelle ça suirogari, en japonais. Les Japonais ont en général tendance à être très superstitieux et c'est pourquoi les numéros chanceux et malchanceux sont très importants. Certains pensent par exemple que vous ne devriez jamais donner à quelqu'un 4 ou 9 de quelque chose. On donne souvent les cadeaux par 3 ou 5.
La combustion spontanée. L'autocombustion est l'un des nombreux mystères de la science. On retrouve dans une pièce un corps humain réduit complètement en cendres. Les autres objets de la pièce ne sont pas touchés. Il y a plein de cas qui prouvent que ce phénomène existe bien. Ce qui fait défaut, ce sont les explications scientifiques du phénomène. L'autocombustion réduit en cendres la chair et les os en quelques instants. L'autocombustion est l'un des nombreux mystères de la science. On retrouve dans une pièce un corps humain réduit complètement en cendres. Les autres objets de la pièce ne sont pas touchés. Il y a plein de cas qui prouvent que ce phénomène existe bien. Ce qui fait défaut, ce sont les explications scientifiques du phénomène. L'autocombustion réduit en cendres la chair et les os en quelques instants. Comment ce phénomène peut se produire, alors que l'on sait parfaitement qu'il faut de longues heures à un feu intensif d'un crématorium pour calciner la chair d'un corps humain? Même après l'incinération, on doit broyer les os qui sont restés quasiment intacts. Peut-être le premier cas. C'est celui de la comtesse Cornelia Bendi qui date du 4 avril 1731. Le tout s'est passé en Italie, près de Vérone. La comtesse était âgée de 62 ans et elle n'a jamais eu de maladie de sa vie. Ce soir-là, elle dîne avec des amis. Elle se retire assez tôt sous prétexte qu'elle est fatiguée. Elle s'endort après avoir discuté avec sa femme de chambre. Le lendemain matin, vers 8 heures, comme à l'habitude, sa femme de chambre vient réveiller sa maîtresse. Il y a un affreux spectacle qui s'offre aux yeux de la jeune femme. Le plancher de la chambre, rapporte une gazette de l'époque, était parsemé de grosses taches d'apparence humide et gluante, tandis qu'un liquide gras, jaunâtre, écœurant, coulait le long de la fenêtre, emplissant la pièce d'une odeur répugnante. Tout était littéralement couvert de suie. Cependant, le lit n'avait pas été brûlé et les draps dépareillés indiquaient que la comtesse Bendi avait eu le temps de se lever. Elle gisait à un mètre du lit. Tout ce qui restait d'elle c'était un petit tas de cendres. Elle était en position assise, l'avant-corps couché sur ses jambes. Ses deux jambes sont restées intactes et une moitié de boîte crânienne. Le reste avait semblé brûlé. Les policiers, les médecins ainsi que ses amis qui se sont rendus sur les lieux ont été incapables d'expliquer ce qui était arrivé à la comtesse. Un coroner a écrit dans son rapport. Un feu mystérieux semble s'être allumé spontanément dans la poitrine de la comtesse. C'était la seule conclusion qu'il put déduire et il ferma le dossier.